Je m'appelle Ahmad, j'ai 13 ans et ça, c'est mon haro mikono. Si jamais vous me demandez quelle est la personne la plus inspirante et la plus admirable que je connaisse dans ma vie, j'aurai deux réponses, ma mère et mon père. Je vais parler de mon père de 45 ans aujourd'hui. Mon père et moi est mon héros et mon guide dans ma vie. C'est lui que je regarde chaque fois que je me retrouve en difficulté. Mon père a été ma force directrice pour toutes mes décisions importantes dans la vie. Je n'ai jamais regretté d'avoir adhéré à ses conseils car cela a toujours fonctionné pour moi. Je suis une personne travailleuse et passionnée. Mon père adore lire des livres liés à la philosophie ou à la vie. Il dit que la vie est comme une escalade de montagne. Vous forcez, vous finirez par vous fatiguer et vous blesser, mais vous devez vous forcer à atteindre le sommet de la montagne et ensuite, vous regarderez en arrière et vous serez heureux d'avoir mis votre dévouement dans cela et impressionné combien d'obstacles difficiles vous avez surmontés. Un jour, lui et moi serons assis dans son beau jardin plein de légumes naturels, de fruits et de fleurs colorées, débattre de choses comme mon grand-père et mon père. Mon père aime les films. Chaque fois qu'il a le temps, il adore regarder un vieux film. En fait, nous nous disputons parfois pour savoir qui obtient le contrôle de la télévision. Mais au fond, on aime se taquiner et jouer aussi. Mon père n'aime pas rester inactif. Parfois, en vacances, il me retrouve, moi et ma sœur, sans rien faire et juste au ralenti, il nous confie une tâche ou l'autre. Il est également très organisé et conserve tous ses documents de manière appropriée. Mon père est aussi un couteau bourreau de travail. Il a passé la moitié de sa vie à étudier et à travailler intensivement dans de nombreux pays différents comme la Syrie, Dubaï, l'Amérique, l'Arabie Saoudite et l'Égypte. Mon père est un gars très occupé, mais il a toujours un emploi du temps bien organisé qu'il utilise. Il peut facilement effectuer plusieurs tâches que la plupart des gens ne peuvent pas faire. Il travaille surtout pour mettre de la nourriture délicieuse sur la table et un bel mouvement fonctionnel pour vivre dedans. Il n'oublie jamais la santé et la forme physique, c'est pourquoi mon père a commencé à travailler fréquemment et à manger des aliments sains, et vous pouvez facilement voir cette différence avant et après un an. Et enfin et surtout, il n'oublie pas la famille. Mon père m'aide beaucoup avec les devoirs de science en faisant la démonstration d'un immense tableau blanc. Nous avons l'habitude de rester assis pendant des heures et d'étudier jusqu'à ce que je maîtrise parfaitement le sujet. Mon père n'oublie pas non plus d'arriver à mes entraînements et matchs de basketball pour m'encourager et me donner des conseils sur ma performance. Mon père croit que l'éducation est très importante. Il est un comptable important pour un concessionnaire automobile international. Bien qu'il soit le directeur de la comptabilité, il croit toujours que plus vous investissez dans votre cerveau, au plus vous étudiez, plus vous réussissez et vous avez un meilleur travail que vous aimez, et c'est pourquoi il commence à améliorer ses capacités comptables en faisant le MBA, ou communément appelé le Master of Business. Il ne fait aucun doute que le rôle de mon père est vital dans ma vie. Sa présence est vitale pour maintenir l'équilibre et la paix dans ma famille. Mon père est celui qui garde les signes de parents les plus stricts et dont le refus d'autoriser quoi que ce soit signifie beaucoup pour les enfants. J'admire aussi mon père et j'essaie de m'imprégner de ses qualités pour que je devienne un peu comme lui quand je serai grand. La famille.